ce vlog un peu tard parce qu'on a été pris par nos occupations du matin. Donc voilà, il est 11h30 et bienvenue à tous. Et là vous allez nous dire, mais quelles occupations du matin? Eh bien regardez, c'est une occupation à plein de temps ça, c'est un 35 heures x 2. Et voilà le 35 heures. Donc voilà, nous, tout à l'heure, on va partir à Sanguinet, c'est dans les Landes en fait. C'est vraiment la limite des Landes. Donc voilà, on va voir les Landais. Qu'est-ce que tu fais? Cet homme est surprenant quand même. Tu veux boire mon bébé? Je sais pas si vous avez fait gaffe. Bon déjà il y a ma femme qui chante toujours, mais je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais avant on avait... Mais oh, tu vas te taire, oui. Oh là là. Enfin bon, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais... Mais vous êtes pas possible en fait, vous deux. Laisse parler, papa. Oh, quand il y a une qui chante, il y a l'autre qui râle. Oui, donc j'étais en train de dire que avant on avait une boule. Et là maintenant on n'a plus une boule. Regarde, je suis sûr qu'il y a le chien qui va passer devant elle, qui va grogner. Faut pas qu'elle sorte. Allez! Et partez! Allez! Je sais pas pourquoi les enfants sont toujours fascinés avec les télécommandes. Alors si vous avez un enfant, prévoyez une télécommande, hein, au rab. Donc là en fait elle a fini. Le livre de Platon, Le Banquet. Donc voilà, elle se met à lire d'autres chefs-d'œuvre. Elle aime bien tout ce qui est mythologie grecque, tout ça. Elle a bientôt un an. Bon, voilà, elle se débrouille pas mal. Hein. Elle lit régulièrement du Platon. Ouais, ouais, elle aime bien. Elle aime bien. Oh, c'est le livre. Et Lona. Tiens ma chérie. Bon ben ça y est, on est parti. On est tous prêts. Le bébé est bien là. On n'attend plus que la maman. Ça y est, j'ai tout. Bon ben ça y est. Donc là, on est arrivé à Sanguinet, au lac de Sanguinet. Là, franchement, on se caille. Donc on va pas rester trop longtemps dehors avec la petite. En fait, il y a une piste cyclable qui fait tout le tour du lac. Comment tu zoomes ? Le lac de Sanguinet, en fait, a été formé par l'accumulation des eaux des rives aquitaines dans le passé, bloqué par une dune. Ça s'est transformé en lac, en fait. Et en fait, il y a deux lacs. Donc le lac de Sanguinet, de Cazaux-Sanguinet, le lac là où on se trouve. Le lac plus en bas, c'est le lac de Parentis-Biscay. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passée. Et après il y a le bassin d'Arcachon qui est en haut, sauf que lui en fait l'afflux de la Leyre est en fait beaucoup plus forte, donc ça a permis d'avoir un contact de garder un contact direct avec la mer. En fait quand il y a eu l'élévation des eaux avant sur le lac de
milieu du lac de Sanguinée, il y avait plusieurs villages et ils ont retrouvé en fait un bébé qui pleure. Non, et ils ont retrouvé en fait une pirogue monoxyle. C'est une pirogue qui a été construite uniquement avec un tronc d'arbre. Et ils en ont trouvé plusieurs dans le lac de Sanguinée avec aussi un village, le village de Lossa. Je crois qu'elle est en train de faire ses dents. Ouais. Elle en a deux pour l'instant et là je crois qu'il y en a une ou deux là qui sont en train de sortir et apparemment c'est douloureux. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Quand elle marche, ça va mieux. Sinon, tu lui mets une banane au loin. Oh, elle va courir. Hein. Mais là, déjà, elle court. Allez, on fait le demi-tour du bébé. Voilà, donc là, juste en face, il y a un parc pour enfants. Mais il fait tellement chaud qu'il y a tellement chaud et beau qu'il y a vachement de monde. Donc voilà, on va rester entre nous. Voilà, vite fait, mais alors très très vite fait, Sanguinée. Et il y a plein de petits coins sympas pour faire du vélo, pour faire des pique-niques, même se baigner, c'est très agréable. Parce qu'en fait, le lac de Sanguinée est pas profond, donc l'eau est assez chaude et assez agréable l'été. Il y a des petits endroits pour pêcher aussi. Et oui, t'as pas dit avec le petit banc, le petit... Ouais. Super sympa. Nous voilà à la maison, on est le soir, c'est la petite conclusion du soir, bonsoir. Il faisait très froid aujourd'hui, donc on n'est pas resté longtemps en fait. On pensait rester plus longtemps à la base, mais du coup on est vite rentré quand il a commencé à faire froid, vraiment. Ouais. Donc voilà, et nous on vous dit, en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager, enfin et à mettre un pouce bleu. Ouais, voilà. Et nous, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.